des parents, on hérite des biens d'une maison. Mais une femme vertueuse est un don de Dieu. Gérard Philipe va se rendre compte de la véracité de cette assertion dans les moments les plus sombres de sa vie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans En Couple une Histoire, votre magazine qui vous introduit dans l'univers des couples. Allons à la découverte du couple du jour. Ils se sont rencontrés en 1997 pendant qu'ils étaient en classe de terminale. Gérard Philippe Nanga tombe sous le charme d'Edwige Florence Douzois. Il lui avoue ses sentiments. Très vite, Gérard entreprend de faire connaissance de sa belle famille. L'entente s'installe tout de suite et il obtient la bénédiction de celle-ci pour célébrer leur mariage traditionnel le 31 août 2004 et la noce civile le 20 novembre 2004. Une belle union qui aurait pu être abrégée par les inquiétudes de Gérard dues à une situation humiliante pour un homme. Amoureux d'un couple une histoire, nous recevons pour vous ce jour le couple Nanga, monsieur Gérard Philippe Nanga. Il est chef de projet, c'est bien ça, bienvenue. Merci. Douzois Edwige Florence épouse Nanga, elle est tricologue, en d'autres termes, experte en santé capillaire. Exact. Donc avec vous, je pense qu'on aura de longs cheveux. Oui, tout à fait. Merci d'être en notre compagnie. Je vous remercie. Nous venons de suivre un élément. Est-ce que nous retrouvons l'histoire des Nanga? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça a été notre histoire, notre parcours, et c'est exactement ça. Gérard Philippe, on rajoute un petit plus ou c'est bon? Non, c'est bon, elle a tout dit. Il est toujours avec nous. Monsieur Kwasi Richemont, oui, comment Myriam. Allez-vous? Ça va bien, merci Myriam. Vous le connaissez maintenant, hein, c'est notre conseiller matrimonial et il est aussi psychologue. C'est bien ça. Merci d'illuminer notre plateau. Je t'en prie. Leurs regards se croisent la toute première fois en 1997 et là, ils sont en classe de terminale. Depuis lors, l'amour n'a cessé de battre dans le cœur de Gérard Philippe et Edwige jusqu'à ce qu'ils deviennent aujourd'hui Monsieur et Madame Nanga. Que s'est-il passé exactement? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans la zone romance. Comme moi, vous êtes impatient de savoir comment a commencé cette idylle. Alors Gérard Philippe, en 97, en classe de terminale, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord, merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors, en 97, j'arrive fraîchement dans une nouvelle école, en classe de terminale. Lors des premiers cours, je la vois, je trouve qu'elle est, elle est très, très belle, mais sans plus. Et où mon attention sera attirée, c'est lorsque je l'entends parler de quelqu'un qui a le même prénom que moi. Donc, je me dis qu'elle est en train de parler de moi. Donc là, du coup, je commence à voilà. Puisque bon, à l'époque, on ne restait pas trop tranquille. On nous connaissait un peu dans la ville. Donc, je disais, bon, voilà, une déjà, elle ne me connaît pas. Et puis, elle est déjà en train de parler de moi. Donc, bon, elle, son cas sera réglé rapidement. Donc, c'est comme ça que je commence à m'intéresser à elle, en fait. Et je vois qu'elle réagit bizarrement. Donc, je lui dis, mais attends, tu parles de moi, je me présente à toi et maintenant tu es en train de faire le malin. Ça, c'est le comportement des jeunes filles. Là. Bon, de toute façon, ça va lui passer. Et de fil en aiguille, je me rends compte qu'en fait, le Gérard Philippe dont elle parlait, c'était pas moi. Ah, Edwige, il vient vous parler de Gérard Philippe. Oui, il vient tout de suite, il commence à faire le dandy. Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, c'était un autre Gérard Philippe avec qui on avait fait le test d'entrée. Et on était un groupe de trois et donc je disais à ma voisine, mais Gérard Philippe n'a pas, on ne le voit pas, apparemment il a été dans une, il est parti dans une autre école. Et après moi je vois le fameux Gérard Philippe qui commence à marcher, à faire un peu le malin, à venir me parler, mais lui là même, je ne le vois même pas, je ne comprends pas pourquoi, il pense que c'est déjà un acquis. Entre-temps, Gérard Philippe, vous ne baissiez pas les bras? Vous continuez à être le dandy dans la classe, vous invitiez les jeunes filles. Oui, puisque moi, je connaissais ma puissance de frappe. Donc moi, j'étais serein. Donc les midis,
on voyait les filles qui voulaient déjeuner, qui avaient faim, tout ça là. On les prenait en groupe et puis on partait ensemble manger. Bah, comment vous les identifiez? Non, on lançait un appel. Tu veux aller manger avec voilà, nous? Voilà, tu veux manger avec nous, nous on aura bien mangé. Et Edwige ne venait jamais. Elle ne venait jamais. Donc, je disais, donc on disait, mais celle-là, elle se prend pour qui, mais? C'est-à-dire que quand on faisait, après avoir fait un recensement, toutes les filles de la classe étaient venues manger sauf elle. Et une fois, je suis allé, je l'ai approché, je lui ai dit, mais toi là, quand je t'invite là, pourquoi tu viens pas? Donc elle m'a fait comprendre que en fait, ça ne l'intéressait pas et qu'elle elle estimait que c'était du gaspillage qu'on faisait et qu'elle elle n'était pas d'accord avec cette manière de fonctionner. Et du coup, j'ai commencé à avoir un regard différent. Vis-à-vis d'elle. Elle dit juste que vous remarquiez. Oui, parce que il a commencé à son approche a changé. À revoir sa copine. Oui, je me rappelle même que les amis lui disaient, toi tu es sûr que la fille là, toi tu, c'est-à-dire que vous êtes deux personnes qui vous n'êtes pas la même personnalité. Voilà, pas la même personnalité. Donc petit à petit, j'ai vu que son attitude avait changé. Il écoutait mes conseils, donc ça commençait à changer. Et comment est-ce qu'il vous fait sa déclaration d'amour? Un jour, il me demande de venir connaître chez lui à la maison. Donc, c'est comme ça que je vais chez lui à la maison. Au départ, il se jouait un peu les gens, les fils uniques, parce que son frère et sa sœur étaient en Europe et lui, il était tout seul. Donc, il me présente une image d'un garçon qui est vraiment bien, qui est studieux, qui est... Vraiment, c'était... Ça, le profil, voilà, le profil espéré. Espéré. Donc, je me suis dit, je demande à ma copine, elle me dit, oh, mais toi aussi, tu as décrit, il n'est pas mal, il est bien, mais tu pourquoi tu veux pas? Essaie. Et donc, c'est comme ça que j'essaie. Et ce jour-là, il m'a demandé où tu habites. Je lui ai dit, je suis à la Riviera. Donc, il me dit, bon, d'accord, je te raccompagne. Donc, lui, il avait calculé son argent de taxi. Et on va à la Riviera, depuis, on n'arrive pas. Et à un moment, il me dit, écoute, toi, tu m'as dit que tu habites à la Riviera, tu habites loin. Moi, je n'ai plus le transport pour retourner. Et donc, je lui ai dit, non, si c'est ça, c'est pas un problème. Et tout ça, et puis je l'ai complété. Et puis, bon, le courant est passé comme ça. Et après, on s'est retrouvés voisins de classe parce qu'au départ, j'étais avec une fille. Lui, il était juste derrière. Et quand on a commencé à cheminer ensemble, là, ma voisine, elle a bougé d'une en fait, place. On l'a chassé, on l'a dit de bouger. Et on s'est assis. Donc la voisine a été éjectée. Éjectée, déjà. Richement, quand on regarde tout ça. Non, c'est vraiment impressionnant. Depuis la jeunesse, depuis même la classe de terminale, et jusqu'à maintenant, c'est vraiment impressionnant. Et on a eu l'incident qui m'a marqué, c'est l'incident du téléphone. Donc dès qu'on rentre à la maison, lui, il prend le téléphone et puis il appelle à la maison. Donc, à chaque fois qu'il appelle, je lui ai dit, mon père est très sévère. Donc, dès que tu entends décrocher au téléphone la voix d'un homme, raccroche. Parce que mon père, il est très sévère. Donc, dès qu'il m'appelle, il entend, allô, il raccroche. Et mon père avait remarqué, parce que quand ça sonne, c'est au salon, tu es dans la chambre, tu cours. Quand tu viens, lui, il me devançait toujours, mon père. Il décroche, il me voit venir et puis il me voit retourner. Donc, il avait compris. En fait, que c'était moi qu'on appelait. Donc, un jour, il m'appelle, il me dit, écoute, moi, on ne me présente pas quelqu'un deux fois. Je sais qu'il y a un jeune homme derrière ce coup de fil-là. Et je veux le voir ce samedi-là à la maison. Je suis venue le voir, je lui dis, ah, comme on dit à Abidjan, c'est gâté, il y a drap. Le vieux a pris drap. Il veut te voir ce samedi à la maison. Là, vous étiez toujours en terminale, là? On était toujours en terminale. D'accord. Et le samedi arrive, lui, tout tremblant, il arrive à la maison. Moi-même, j'étais étonnée. Mon père, je crois qu'il avait fait, je crois qu'il y avait un de mes oncles ou bien une de mes tantes qui était là. Lui, il était assis, il était comme dans le fauteuil blanc. Comme si c'est moi qui lui avais dit de l'appeler. Hein. Mm-hmm. Il me dit, moi, on ne me présente pas quelqu'un deux fois. Donc, je suppose que c'est ta femme. Parce que tous les jours, tu appelles ici. Donc, lui, il bégait. Non, tonton, c'est pas ça. C'est... Il dit, je suppose que c'est ta femme. Donc voilà, bienvenue dans la famille, j'ai fait ta connaissance et puis c'est parti comme ça. Et après, on va rencontrer les parents de Gérard Philippe. Oui, après, comment ça va se passer? Moi, comme j'habitais très loin, lui, il avait besoin de prendre la voiture de sa maman pour faire les petites courses. Donc, elle lui avait donné un ultimatum. Si tu veux ma voiture, tous les dimanches, tu viens à l'église avec moi. Donc, moi, j'étais loin. Donc, c'était l'occasion pour nous de pouvoir venir. Donc, moi, je venais là-bas le dimanche, et puis ensemble, on partait à l'église. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a présenté à sa maman.
Et puis ensemble, on a commencé à fréquenter l'église. Combien de temps après, vous vous mariez? Alors, 97, on s'est mariés en 2004. Waouh. 2004, en novembre 2004. Le jour de sa date anniversaire en plus. Novembre 2004. Voilà, mais avant ça, il y a eu la dot. Il y a eu la dot. Oui. La dot, et c'était en août 2004. Mm-hmm. Et on n'a pas voulu qu'il y ait trop de temps entre la dot et puis le mariage. Et puis, en novembre 2004, moi, mon stage que je faisais, on m'a embauché. Et lui, il était maintenant en stage. Et on a compris que ça faisait trop longtemps. Il fallait maintenant qu'on passe au mariage. Et vient le jour du mariage. Et vient le jour du mariage. On se marie en 2004, un mariage féerique. Avec une robe d'une traîne de 4 mètres. Une traîne de 4 mètres. 4 mètres. C'était quoi l'objectif? Ben, tout le monde rêve d'avoir un beau mariage. Donc, je m'étais déjà imaginé avec une longue robe. Et c'est ce que j'ai réalisé. Gérard Philippe, le jour du mariage, comment on se sent? Bon, le jour du mariage, c'était une grande fierté, en fait. Mm-hmm. Une grande fierté parce que vu tout le parcours que j'ai eu pendant mon adolescence et les études jusqu'à arriver au mariage, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et quand je me mariais, le jour de mon mariage, je réalisais que j'étais en train de faire quelque chose de grand, que c'était une grosse responsabilité. Et je réalisais que j'étais pas si nul que ça. Parce que pour qu'une femme accepte de venir partager sa vie avec toi, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'était un jour de grande émotion pour moi, ce jour-là. Madame, à cet instant précis, pensez avoir trouvé finalement l'homme de votre vie? Oui, j'étais convaincue parce que c'était carrément une complémentarité. On se comprenait, on pouvait passer des heures au téléphone. La preuve, bien après même, les factures, monsieur Otoé, des factures, mon père m'a engueulé parce qu'on a eu une facture de près de 600 000 francs de téléphone fixe. 600 000 francs de téléphone fixe. Et jusqu'à présent, je me demande qu'est-ce qu'on se disait. On en rit aujourd'hui, mais je savais ce que je faisais. Et vous aviez combien d'enfants aujourd'hui? 3 enfants, 3 garçons. Quels sont vos plus beaux moments? De toute façon, les beaux moments, on les vit au quotidien, je dirais. On les vit au quotidien. C'est vrai qu'il y a eu des événements marquants. On aura l'occasion d'en parler dans la prochaine rubrique à venir. Dans le déroulement de l'émission. Mais d'abord, la naissance du premier, mm-hmm. c'était quelque chose d'extraordinaire. Comme je vous disais, c'était dans la même mouvance. Je suis là, je serai père. Bon, c'était quelque chose d'extraordinaire. Voilà, moi, comme ça, là, je suis là, j'ai une femme, j'aurai un enfant. Ça fait une double responsabilité. Donc, il y avait vraiment ce sentiment-là de fierté. Voilà. Richement. Méliane, moi, j'aime poser une question au couple. C'est-à-dire, en terminale, vous êtes voisins. Mais comment vous faites, puisque vous passez des heures au téléphone? Ça n'a pas eu un impact négatif même concernant vos résultats, concernant vos notes. Comment ça se passait? Comment vous s'y plaignez, au fait? Ah, c'est une bonne question. Lui, il était très bon dans les matières scientifiques. Moi, j'étais dans les matières littéraires. Donc, quand on se disputait, je lui dis, je ne te montre pas les matières littéraires, lui ne me montre pas les matières scientifiques. Et puis après, 2 jours après, il fait une lettre, demande pardon, on ne se parle pas. Bon, c'était comme ça, jusqu'à ce qu'on aille à l'examen. Là, c'était une vraie catastrophe. Quand on a passé l'examen, il a eu le bac, moi je n'ai pas eu. Donc le jour, il a cherché à me joindre partout, j'ai coupé. C'était comme si tout s'écroulait devant moi. Mais petit à petit, les choses sont reparties. Voilà. Une relation avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'amour. Ce père de famille perd l'équilibre financier à un moment de sa vie. Comment arrive-t-il à subvenir aux besoins de sa petite tribu? Il nous dévoile tout dans la rubrique « Turbulence ». Dans la zone de turbulence, nous mettons la main là où ça fait mal. En période de vache maigre, mon épouse ne m'a pas laissé m'apitoyer sur mon sort. Gérard Philippe, qu'est-ce qui se passe exactement?
Alors, il y a eu deux temps. La période de 2008 à 2009, où j'ai perdu mon emploi pour la première fois. Mon deuxième fils vient de naître à la même période. Donc, les charges augmentent. Et c'est une situation qui devient difficilement gérable. Dieu merci, en 2009, je retrouve un emploi. Donc, il y a une certaine stabilité. Après la crise que nous avons vécue, après la crise, là, je perds mon emploi du jour au lendemain. Et là, pendant près de 2 ans et demi, c'est vraiment la galère. Parce que quand je perds mon emploi, je n'ai aucune économie, en fait. Puisque un peu avant la crise, déjà, l'entreprise dans laquelle j'étais battait un peu de l'aile, donc les salaires n'étaient pas payés, c'était un peu difficile. Donc on vivait déjà avec quelques petites économies et c'est là que les problèmes commencent. En 2008 déjà, madame, vous commencez entre guillemets à devenir le chef de famille. Comment ça se passe déjà à cette période? À cette période-là, comme il l'a dit, c'était certes, c'était difficile, mais on avait encore quelques petites réserves. Donc, jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi qui ne va pas durer longtemps. Et vient la grosse période où tout s'écroule, comme il le dit. Et c'était un seul salaire qui rentrait à la maison et qu'il fallait mettre les enfants à l'école. Il fallait vivre le quotidien. Mm-hmm. Ce qui était le plus difficile, c'est quand le matin, il me voyait partir au travail et qu'il était assis, je sentais inutile. Je pars et je reviens le soir. C'est comme si tu es à la même place. Donc, arrivé un moment, bon, 3 mois, ça peut passer, 4 mois, mais quand ça dépasse 1 an, ça dépasse 2 ans, ça devient très difficile. On habitait en Grès, mais moi, je partais déjà depuis 5 heures à Yopougon-Kouté, où je partais prendre les vestes d'âme, les robes, et je les envoyais au pressing. Lavé, je mettais dans le coffre de ma voiture parce que j'étais déléguée médicale. Au moins, il nous restait la voiture. Et après mes visites chez les médecins, je trouvais le temps de faire du commerce, de vendre ces articles-là. Et j'ai pu avoir un peu d'argent. J'ai décidé de vendre des boubous maintenant. Donc, je ramenais des boubous du Sénégal. Et une fois, j'ai eu à rencontrer une dame dans un salon de coiffure qui a pris environ pour 130 000. Elle m'a donné 30 000 francs et elle m'a dit, je fais ça en 2 mois, donc 50 000, 50 000. Donc, je réclame l'argent parce qu'on arrive à la fin du mois. La dame me fait tourner. Elle ne comprend pas. Je réclame. Elle a l'impression que je la harcèle. Le mois passe. Et peut-être 3 mois après. Et un jour, la dame chez qui j'ai trouvé cette dame-là dans le salon de coiffure m'appelle et me dit, ah, la dame t'a laissé un colis. Et ce jour-là, on avait pratiquement rien. J'étais tellement contente. J'ai dit, enfin, l'argent est arrivé, je m'en vais prendre. Et ma plus grosse désillusion, j'arrive, la dame a porté les boubous, les chaussures, elle a mis dans un sachet. Elle dit, il faut remettre à la dame parce qu'elle m'emmerde. Excusez-moi, elle me fatigue trop. En fait, j'ai touché un peu à tout pour pouvoir équilibrer un peu les choses. Lui, il faisait des petits boulots. Il s'est retrouvé avec un de ses amis qui avait un centre de sport à encadrer les enfants. Donc, ses amis venaient lui laisser ses enfants. Il jouait le rôle en griffe de nounou dans le club de sport où tous les petits garçons faisaient du foot. Donc, lui, il était un peu, si vous voulez, le coach avec les enfants. Donc, on a touché un peu de tout et ce n'était pas facile. À la fin du mois, je lui donnais. Il dit, ah, papa, c'est toi le chef de famille. Donc, voilà ce qu'on a eu. Et lui, maintenant, qui me disait, bon, tu prends ça, tu fais ceci. Quand je suis coincée que je n'ai plus d'argent, je viens vers lui. Il dit, j'ai besoin de 5 000. Il crie sur moi pour me donner les 5 000. Tu dépenses trop. Tu fais ça. Je prends l'argent. Puis je vais. C'était des moments difficiles. Mais bon. Est-il arrivé des moments où vous avez dit que vous aviez échoué dans votre rôle de père, Gérard Philippe? Ah oui, ça c'était à cette période-là, quand il n'y a plus de ressources. Quand vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de la famille, aux besoins les plus élémentaires, il y a de quoi se poser des questions. À un moment donné, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à gérer. Et surtout quand les enfants s'y mêlent? Oui. Quand vous le dites, ça me rappelle un jour, ce jour-là où j'ai eu profondément mal et j'ai eu vraiment le sentiment d'être vraiment inutile. Alors, un matin,
On prépare l'enfant pour aller à l'école, sa maman s'apprête à aller à l'école. Et l'enfant vient me voir tout naïvement. Il me dit, mais papa, pourquoi tous les matins, quand nous on sort, toi tu es à la maison? Donc je vous avoue que ça m'a fendu le cœur. Je me suis dit, mais même le petit remarque que Il avait quel âge? Oh, il devait avoir 5 ans. Ouais, 4-5 ans. Je me dis, mais même l'enfant réalise même que je suis un poids mort, je produis rien en fait. Et cette journée-là, elle a été l'une des plus difficiles. J'en reparle avec beaucoup de ça me redonne la chair de poule, mais ça m'a fait très 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 mal. À tel point que je sais pas si c'est le même jour ou bien en tout cas quelque temps après, quand mon épouse est rentrée du travail, ben j'ai dit que je voulais lui parler. Donc elle s'attendait à ce que je lui annonce quelque chose. Je lui ai dit non, que j'ai quelque chose de très important à lui dire. Elle m'a dit bon, ok, je t'écoute. Donc je lui ai fait comprendre que c'est vrai qu'on s'était mariés, que je lui avais fait de belles promesses pendant le mariage. Mais là, ça fait près de un an et demi qu'on est dans une situation où rien n'avance. Je vois tout ce qu'elle fait, c'est pas son rôle de le faire, c'est pas elle de le faire, c'est à moi de le faire. Mais je n'y arrive pas et je n'ai aucune perspective. Donc, à partir d'aujourd'hui, avec toute mon honnêteté, je lui dis qu'elle est libre. Elle peut soit repartir en famille, soit trouver quelqu'un qui peut lui faire son bonheur, puisque moi, je suis incapable de le faire. Et comme ça me faisait mal de la voir en train de se débattre, et je voyais les enfants aussi qui étaient privés de tout. Acheter un gâteau pour un enfant à un anniversaire, c'était du luxe. Donc, je voyais tout ça. Donc, je lui ai dit, écoute, ça suffit, il faut que tu partes. Et je lui ai dit, mais j'étais très, très sincère quand je lui disais. Donc, pour vous expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était vraiment difficile. Le plus difficile, c'est quand je partais au boulot et que je savais que je devais rentrer à la maison. Il fallait que je trouve les mots, la force sur moi pour montrer un visage de la femme qui est forte, parce que tu rentres à la maison et puis tu vas voir le monsieur qui continue de s'apitoyer sur son sort. À chaque fois, tu dois trouver les mots pour lui dire non, ça va aller, il faut essayer de faire un peu d'entreprendre, il faut essayer de faire quelque chose. Et lui qui se dit toujours non, j'ai l'impression que tout va pas, je suis inutile. Ça pèse un poids. Le jour où il vous a dit de partir. Alors quand il va m'annoncer que oui, il est temps que tu repartes, je me suis dit, voilà, ça c'est... Il baisse les bras, c'est-à-dire qu'on a même pas encore... Commencé le combat, il baisse déjà les bras, mais pourquoi? On s'est mariés pour le meilleur et pour le pire, c'est pas pour venir. Et moi, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Non, c'est-à-dire que... Parce que mon mari ne travaille pas, ça va pas que je rentre à la maison. Non, je suis pas d'accord, donc je refuse de repartir. Et je continue. Moi, est-ce que moi, je viens te dire que je suis fatiguée de cette situation? Moi, je ne t'ai pas dit que j'étais fatiguée de cette situation. Donc, on continue. Et c'était quoi l'atmosphère à la maison? Tu es obligée de surmonter. Donc, il y avait des moments de joie comme des moments de pleurs. Voilà, tous les faits et gestes étaient interprétés négativement. Dès qu'il y a une petite attitude, je dis, voilà, ça y est, c'est parce que je ne travaille pas ou bien parce que je n'ai pas les moyens ou bien parce que je n'arrive pas à faire ça, que tu te comportes comme ça. Je n'arrivais pas à m'exprimer. C'était une manière de m'exprimer, c'était en faisant des palabres. Des palabres, en créant des tensions inutiles. Mais sa réaction a fait que j'avais déjà confiance en elle, mais sa réaction a fait que j'ai été conforté dans ma position. Vous aviez même décidé de rentrer, de commencer à faire un petit métier. Oui, bon, les petits métiers, j'en ai fait beaucoup à cette période-là. C'est-à-dire, comme elle a dit, chauffeur. Donc, je partais voir des amis. Je leur disais, ah, mais écoute, je peux déposer ton fils à l'école, ton enfant à l'école, tout. Et puis, bon, tu me donnes quelque chose. Bon, au début, ça les amusait. Mais après, bon, eux-mêmes, ils étaient gênés. Parce que, en fait, on est des amis. Mm-hmm. J'ai dit, mais attends, non, Gérard, non, toi, tu peux pas faire ça. Je dis, mais si je veux faire que vous me payez. Vous me donnez quelque chose. Moi, je suis prêt à faire n'importe quel boulot honnête pourvu que ça puisse me donner
de quoi subvenir aux besoins de ma famille. Même si c'est un sac de riz, une bouteille d'huile, c'est mieux que rester à la maison à ne rien faire et plutôt que demander à gauche à droite. Donc, j'ai fait ça, j'ai eu à surveiller des bébés. Bon, donc, c'était comme ça que je réussissais. Un jour, on m'appelle, on me dit qu'il y a une opportunité, il y a un travail. Je dis OK. Donc, je vais dans un coin là, c'était à Djamé, dans un. Mais je ne sais même pas si je peux reconnaître ce coin. Il y a un monsieur qui vient vers 9h et puis qui commence à nous expliquer, qui nous donne la job description, en fait. Il me dit bon, on vous a fait venir ici parce que il y a un produit qu'une marque veut lancer. Mmh. Et on a besoin de vendeurs ambulants. Donc, on vous a demandé de venir. Et puis, on va voir en fonction des zones, tout. Et puis, on va vous sélectionner. Et puis, ceux qui veulent, on va vous lancer. J'étais partant. Surtout qu'on nous donnait un fixe et puis une commission. Donc, je me disais, bon, au moins avec le fixe là, le minimum, je peux gérer. Est-ce que le fixe valait votre niveau d'études? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais vous savez... le monsieur même qui a proposé le truc, quand il m'a vu, il m'a demandé, mais est-ce que toi, tu es sûr que tu peux faire ce travail-là? J'ai dit, monsieur, où moi je suis là? Tant que c'est un travail honnête, qu'on me paye à la fin du mois, je suis prêt à faire n'importe lequel des boulots. Je n'ai aucun souci avec ça. Je vous dis, mais par contre, le seul truc que je vais vous demander, c'est quand vous allez répartir les zones-là, ne me mettez pas à Cocody. Parce que à Cocody, comme je connais un peu les gens, si mettez-moi à Bobo, à Yopougon, je viens me débrouiller là-bas. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Mais quand je vous vois, il dit bon, dans 2 jours, il faut bien réfléchir. Dans 2 jours, tu reviens me donner ta décision finale. J'ai dit, mais si ça ne tient qu'à moi, c'est OK. Il me dit non, va réfléchir. J'ai dit OK. Donc, je sors de là, je l'appelle, je lui dis ah, écoute, moi, je viens d'avoir du boulot. Donc, elle commence à crier de joie. Tu vois, j'ai dit, mon cœur, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle me dit, bon, explique-moi. J'ai dit, bon, attends, quand tu rentres à la maison, je t'explique. Donc, elle arrive à la maison. Donc, je lui dis, bon, assieds-toi. Écoute, bon, chaque fois, tu me dis, oui, tu fais rien. Bon, aujourd'hui, là, je suis allé à mon rendez-vous. J'ai eu un boulot. Voilà ce que je dois faire. Je dois mettre des chasubles. On va me donner un pouce-pouce là. Et puis, je vais me balader dans les villes d'Abidjan. Puis je dois atteindre un certain niveau, un chiffre, pour avoir mes primes. Mais voilà le fixe qu'on me donne. Elle me dit, ah, c'est ça ton travail là. Je dis, mais ça, c'est pas un travail. Elle me dit, non. Elle me dit, mais toi, déjà, Dieu merci, pendant toutes ces périodes-là, tu n'es pas tombé malade. Mais ça là, c'est sûr que au soleil, tu vas tomber malade. Mais ça, c'est... Que non, pardon. Que depuis qu'on est dans notre problème là, restons comme ça, faut pas aller en rajouter. Donc ça m'a un peu frustré, j'ai dit mais attends, moi, tu te plais, maintenant moi je trouve du travail encore, tu me dis non, de ne pas faire. Elle me dit non, pardon, elle m'a demandé pardon, je crois même elle a même pleuré ce jour là. Parce que bon, moi je me voyais revivre. Alors comment ça se passait aussi avec les enfants? Alors je crois la deuxième année de notre période très difficile à Noël, mon épouse vient me dire, ah c'est Noël, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants? Je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et puis, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Hein. Donc, moi, je vais parler aux enfants. Je vais leur faire comprendre que le Père Noël est souffrant et que cette année-là, il ne pourra pas venir parce qu'il est malade. Maintenant, si ça va mieux, l'année prochaine, il va venir. Mais cette année-là, il ne va pas venir. J'ai convoqué les enfants et je leur ai dit, ah, cette année-là, le Père Noël, vraiment, il est malade. Et il est hospitalisé, on lui a mis une perfusion. Où il est là, c'est pas sûr qu'il vienne. Donc les enfants, ils ont pris ça à la rigolade. Ouais. Ah, le Père Noël est malade, il a quoi? J'ai dit, ah, je sais pas ce qu'il a, mais je viens sur le coucher là-bas. Donc, il vous dit de ne pas vous fâcher. Ne vous fâchez pas, restez calme. Quand ça va aller mieux, il viendra. Donc, c'est comme ça que j'ai fait passer la pilule aux enfants. Donc, les enfants, tout naïvement, avaient accepté. Et est-ce que la famille et l'entourage étaient informés? Oui. Et c'était quoi leur réaction? Ils voyaient qu'on avait des difficultés, mais ils ne pouvaient pas mesurer l'ampleur de ces difficultés-là. Donc, c'était 20 000 par-ci, 10 000 par-là. Et Gérard, Philippe, on n'en pouvait plus. Et est venu le moment, j'ai envie de dire, le moment du cri. J'étais fatigué de cette situation-là. J'étais fatigué de voir que les choses n'évoluaient pas, qu'il n'y avait aucune... je ne voyais rien à l'horizon. Et j'ai poussé un cri. Ce cri-là est venu, mais vraiment de l'intérieur, quoi. C'était un cri de... Voilà.
Mais j'ai crié. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris, en fait. J'ai crié pour dire, Seigneur, j'en ai marre, je suis fatigué. Et puis, j'ai fait une prière à l'issue de ce cri-là. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est une leçon que tu veux me donner, là, bon, je pense que la leçon, là, on l'a suffisamment comprise, mais c'est bon comme ça. Que si c'est pour me montrer ce que c'est la difficulté ou bien la galère, là, je pense que j'ai vu tous les aspects de la galère. Là, que si tu me bénis ou bien tu me fais sortir de cette situation-là, je pense que je vais mieux comprendre ce que c'est que la difficulté. Et par rapport aux autres, je saurai comment me comporter. Si ces épreuves étaient une correction, M. Nanga dit avoir compris la leçon. Face à ces épreuves, son épouse est restée près de lui à fléchir les genoux. À quel moment la situation se décante? Suivant ensemble. Avant d'en savoir davantage avec les Nanga, retournons-nous vers notre conseiller conjugal, Richemont. Que faire quand l'ego d'un homme est touché? D'abord, il faut rester figé sur son idéologie. Que quand cela arrive, il ne faut pas prendre des décisions en même temps. Parce qu'il y a l'ego de l'homme. Et toutefois que tu as l'impression que cette dignité est bafouée parce que tu n'arrives même pas à réagir, tu n'arrives même pas à prendre soin de ta famille. En même temps que tu as des idées, tu peux prendre des décisions qui pourraient certainement te faire regretter. Donc quand ça arrive, il faut se ressourcer, il faut réfléchir, mais en restant vraiment objectif sur toi-même, sur ce que tu veux faire demain. Et comment est-ce qu'on qualifie l'attitude de Mme Nanga? Mais c'est une lionne. Merci Richemont. Donc on retient que Mme Nanga est une lionne. Ouais. Et là, je me retourne vers la lionne et lui demander, c'est quoi les techniques que vous aviez pour redonner la force et le moral à votre époux? Alors, la meilleure et la seule technique, c'était la prière. Ça m'a permis de développer une certaine intimité avec le Seigneur. Et ça m'a permis, surtout quand je lis dans le livre de Proverbes, je sais que la femme est une aide, elle va se lever avant. Pour moi, la femme vertueuse, c'est la femme qui entreprend. Donc, je ne devais pas baisser les bras. On dit qu'elle ne mange pas le pain de la paresse. Et vous avez eu un appel, je veux dire, un appel miraculeux. Oui. Je crois que l'hôpital du Père Noël a appelé. Oui. C'était à la période, la fameuse période de Noël, là. J'ai un ami, enfin, qui est devenu un frère maintenant, qui m'appelle et qui me demande comment je passe les fêtes. Alors, je lui fais comprendre qu'il n'y a pas de fête chez moi. Il me dit, bon, OK, quand je raccroche, tu m'envoies ton nom complet par SMS, tout ce qui est sur ta pièce d'identité. Je dis, mais tu veux faire quoi avec? Il dit, il faut faire seulement. Donc, je raccroche et puis je lui envoie le nom. Quelques minutes après, il m'appelle, il me dit, bon, écoute, je viens de te faire un transfert, là. Il faut aller retirer. Mais ça, c'est pour les enfants. C'est pour les cadeaux de Noël. Tu as compris que c'est même pas une discussion, mais quoi. Il dit, c'est un ordre. Il dit, je vous avoue que je tremblais comme une feuille morte. Parce que j'étais même pas lavé, hein. Donc, je cours et je vais à l'agence pour pouvoir retirer l'argent. C'était 350 000. Donc, je retire et puis j'appelle mon épouse immédiatement que je viens de recevoir de l'argent. Elle dit, mais comment tu as dit, tu poses trop de questions. Il faut venir, hein, tu vas prendre quelque chose, tu vas l'acheter et tout. Mais une chose est sûre, je ne te donne pas tout. Hein. Donc, elle est venue, je lui ai montré l'argent. J'ai dit, ah, voilà ce que notre frère vient de nous amener pour les enfants. Voilà comment ça s'est passé. Donc, on a divisé en deux. Je lui ai dit, bon, tu prends ça, tu achètes les trucs pour les enfants, Noël, tout ça. Le reste, là, on va garder. Mais le soulagement qu'on a eu, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les enfants, eux, ils ne s'attendaient pas à ça. Et le lendemain, le 25 décembre, ils se réveillent. Ils voient, même si ce n'était pas des choses de grande valeur, mais le simple fait qu'on ait pu leur offrir quelque chose, leur donner la joie au cœur, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ce frère-là, il se connaît. Hein? Je ne vais pas citer son nom, il se connaît. Et je suis vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses, et même particulièrement pour cette période-là, ça a été vraiment exceptionnel, parce que je ne lui ai rien demandé. Et nous, ce qu'on va faire pour lui, justement, c'est qu'ensemble, on va applaudir pour lui, parce qu'il a été l'ange. Ah,
Il a été le lutin du Père Noël qui a débranché les perfusions. Voilà, c'est ça. Le 24 décembre. Le 24 décembre. C'est ça, le 24 décembre. Donc, dans l'après-midi, on a pu acheter les cadeaux pour les enfants la nuit. Et puis, bien passer les fêtes, je veux dire. Manger convenablement à Noël. Sinon, il n'y avait rien. Et il y a eu encore comme ça un autre miracle, j'ai envie de dire. Notre cinquième anniversaire de mariage, et j'ai un grand frère, un ami et grand frère qui était avec nous. Alors, le jour de l'anniversaire de mariage, bon, moi, j'ai vu que c'était l'anniversaire de mariage. Le matin, ma femme se lève, j'ai dit, bon, écoute, ça fait 5 ans. Hein. Bon, non, en plus, c'est anniversaire de mariage et anniversaire de naissance. Double anniversaire. Double anniversaire. Voilà. J'ai dit, bon, ma femme, c'est l'anniversaire, mais toi-même, tu vois. Tu vois, hein. Bon, écoute, c'est qui est sûr. Un jour, ça va aller. Ouais. Et puis, elle s'en va au travail. Mais j'ai su qu'elle était un peu frustrée. Donc, vers midi, là, mon grand frère, dont je ne sais pas, m'appelle. Petit, ça va? Il dit, ça va le jour aujourd'hui, là. Il me dit, bon, j'arrive. Donc, il vient. Il me dit, bon, écoute, il y a mon épouse qui est en ce moment à Assigny. C'est elle qui organise, un séminaire, là. Mm-hmm. Et comme c'est elle qui organise, elle a fini toute son organisation. Tu vas prendre ta femme, tu vas aller là-bas. Tu vas là-bas, passer le week-end, tout est déjà pris en charge. Mais je vais aller comment? Toi, tu connais la situation. Pour aller là-bas, là, il faut les carburants. Il me dit, bon, tout ça, là, j'ai prévu. Donc, il sort une enveloppe, il me donne. Il me dit, quand ta femme vient, elle est au travail, non? Il dit, quand elle vient, tu la prends, tu mets le car. Il dit, au moins, tu peux conduire, non? J'ai dit, oui, ça, au moins, je sais faire. Il me dit, bon, OK. Donc, tu la prends, tu mets le carburant, vous partez là-bas, vous partez, vous changez des idées. Que ça, c'est le cadeau que nous, on vous offre. Wow. Et elle ne s'attendait pas à ça. Donc, quand elle rentre le soir, je lui dis, bon, écoute, fais une petite valise là, on sort. Elle dit, mais on va où? Je lui dis, ça, ce n'est pas ton problème. Allons. Donc, on commence à prendre, je prends la voiture, on s'en va, tout ça, je mets le carburant. Bon. Ah, mais où tu as eu l'argent pour mettre le carburant? Je lui dis, Où est ton problème? Allons seulement. C'est carburant, non? Moto, en fait. Donc, là-bas, on était là-bas, et puis la sœur qui était là-bas, elle nous a vus, elle est venue, et puis bon, on a commencé à rigoler, elle nous a expliqué un peu, et c'est comme ça qu'elle a su. Et c'est un couple aussi qui nous a vraiment soutenus et nous sommes très reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et on va dire après 3 ans de chômage, Oui. Enfin la porte s'ouvre. Vraiment. On va dire que vous avez crié, Dieu vous a entendu. Ah, un lundi, mon portable sonne. Mon portable sonne, je vois un numéro fixe. Donc je décroche, il y a un monsieur, oui, allô, bonjour monsieur, bonsoir monsieur. Je dis oui, bonsoir monsieur. C'est monsieur Nanga, je dis oui. Il me dit, donc il se présente le monsieur. Oui, je suis le responsable de... C'était dans un ministère. Mm-hmm. Un ministère, je suis le DAF de tel ministère. Je vous appelle parce qu'il y a le ministre qui m'a demandé de vous contacter pour pouvoir rejoindre son équipe. Donc, je lui dis, mais écoutez, monsieur, vous savez, on ne se connaît pas. Hein. Juste c'est comme ça, vous faites pour blaguer les gens. Naquer, genre. Moi, j'ai un problème. Ne me fatiguez pas. Ah, je dis, moi, je ne connais pas de ministre. Vous, je ne vous connais pas. Donc, franchement... Et puis, j'ai même pas la tête pour vos blagues. Donc, de grâce, foutez-moi la paix. Il me dit, mais ou bien ça ne vous intéresse pas. On vous appelle, il y a rendez-vous, le ministre veut vous voir, elle veut travailler avec vous. On vous appelle, vous êtes en train de faire. J'ai dit, bon. J'ai dit, bon, excusez-moi, monsieur. J'ai dit, bon, qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer? Donc, il me dit, voilà, il y a tel ministre qui souhaiterait que vous puissiez intégrer son équipe. Donc, il me donne rendez-vous pour le lendemain. Il me dit, bon, demain matin, est-ce que vous êtes disponible? Je dis OK. Donc après, je raccroche, puis j'appelle ma femme. J'étais en train de marcher. Hein. J'appelle ma femme, puis je lui dis, ah, écoute, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a un monsieur qui m'a appelé, voilà ce qu'il dit, mais pff, moi, je n'y crois pas trop. Donc elle là-bas me dit, mais toi, pourquoi toi tu es comme ça? Les gens t'appellent, tu ne sais pas. Ça te coûte quoi d'aller voir? Va voir. Maintenant, c'était du n'importe quoi. Bon, voilà. Donc le matin, très tôt, à 6 heures, je suis au plateau, où on m'a donné rendez-vous. Donc on me fait asseoir dans un bureau climatisé, on propose café et tout ça. J'ai dit OK. Donc je suis assis, le monsieur vient à 14h, il arrive tout gêné là, je suis désolé, j'ai eu un contretemps, venez. Donc il vient, il me reçoit dans son grand bureau, tout. Donc il prend son téléphone, allô, vous êtes là? Bon, je suis avec monsieur Nanga, bon, on monte vous voir. Donc j'étais convaincu qu'on se trompait de personne. J'ai dit, ça peut pas être moi. Parce que bon, ça peut pas être moi. Moi, je connais pas de ministre, je connais personne dans cet environnement-là. Qu'est-ce que je fais là? Donc j'arrive. Et le ministre elle-même, c'était une dame, elle me reçoit à la porte de son bureau, avec un grand sourire. Ah,
enfin, toi, tu es là. J'ai dit, bon, ok. Donc, je rentre, elle m'installe, je m'assois en face d'elle, tout ça. Non, là, je vous dis que je tremblais comme une feuille morte. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me pince même pour savoir si je réponds. Et puis, elle me dit, mais vraiment, maintenant, je peux respirer. J'ai dit, ah, comment ça? Elle me dit, non, parce que elle est ton amie. M'a fatigué avec ton affaire. Donc, c'est maintenant que je commence à réaliser que, en fait, dans la période difficile, j'ai un ami qui est venu me voir à la maison, et puis qui m'a dit, bon, écoute, Gérard, donne-moi ton CV, tout. Je vais voir comment je peux t'aider. On sait jamais. Bon, j'avais distribué tellement de CV que moi, j'avais oublié. Donc, c'est cet ami-là, dans le secret, ils sont très proches, en fait. Mm-hmm. Elle lui a dit, bon, voilà, maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pour t'aider? Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Et il lui a dit, si tu veux vraiment m'aider, je vais te donner le nom de quelqu'un. Celui-là, si toi, tu l'as aidé, là, c'est que tu m'as aidé. Donc là, j'avoue que j'étais devant le ministre comme ça, j'ai éclaté en sanglots. Donc, la dame me dit, bon, écoute, je vais faire de toi mon collaborateur, tu vas intégrer mon cabinet, voilà, écoute, en tout cas, tant que moi, je suis là, si tu fais ton travail correctement, rassure-toi, tu n'as aucun problème, voilà. Bon, est-ce qu'on t'a déjà même dit combien tu vas toucher, tout ça? Je dis, non. Elle me dit, bon, voilà, tu vas toucher, quelqu'un l'a dit, j'ai qui? Non, c'est-à-dire, je me suis oublié. Pourquoi tu as un problème? J'ai dit, non, excusez-moi. En fait, le poids, c'est trop petit, parfois, vous mettez beaucoup trop. Pour elle, c'était... Pour moi, c'était un milliard qu'on me proposait. Et puis, jamais imaginé être même à cette position en fait. Avec un ministre. Non, Dieu fier. Être collaborateur proche d'un ministre, c'était le rêve. Donc, quand je sors de là, la première personne que j'appelle, c'est elle, naturellement. Mm-hmm. Donc, elle vient me trouver, mais j'étais en larmes, en fait. Je viens de rencontrer le ministre, tout. Elle dit qu'elle me prend dans son équipe, tout, dans son cabinet. Donc, à partir de demain, mercredi, elle me dit, bon, comme la semaine est déjà entamée, à partir de lundi, je commence avec elle, tout. Voilà ce qu'elle me propose, tout. Bon, donc, imaginez, c'était l'étonnement. Elle m'a enlacé, elle a commencé à pleurer. Bon, on s'est donné un spectacle devant. C'est-à-dire, on était seul au monde, quoi. À l'instant précis, non. Plus rien n'existait. Plus rien n'existait. Mais on va dire que le bonheur n'arrive pas seul. Oui. Quelque chose se passe aussi à votre niveau. Oui, exactement. À la même période, moi, je suis promue et après débauchée, et puis c'est parti comme ça. Et aujourd'hui, comment ça se passe à la maison? Oui, aujourd'hui, c'est le bonheur, on me dit. J'ai créé ma propre structure et lui, il est tout chargé d'études et de projets. Et c'est le bonheur. On est devant la nation tout entière. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Regardez votre épouse et dites-lui quelque chose. Comme ce jour, lorsqu'on a eu l'information du poste, de la nomination, considérez qu'on n'existe plus. Appelez-la par son petit nom et dites-lui ce que vous ressentez. Donc, bébé, devant la nation, je tiens à te dire que je suis infiniment reconnaissant pour toutes les souffrances, pour tout ce que tu as supporté pour moi, pour la famille. Grâce à toi, grâce à Dieu, mais grâce à toi, aujourd'hui, si on a sorti la tête de l'eau, c'est une grande partie grâce à toi. Grâce à toi. Et je tiens à te dire encore merci. Que Dieu continue de te bénir. Que Dieu continue de te donner ce cœur-là. Que rien ne vienne polluer ce beau cœur que tu as. Que rien ne vienne entraver la belle personne que tu es. On va applaudir. Oh, c'est mignon. C'est... Oh. Restez un peu, ça allait couler, mais bon, ça vient pas vite aussi, c'est ça. Merci infiniment à monsieur et madame Nanga. Vous avez présenté des profils lors de votre témoignage et nous avons pu rencontrer ces personnes. Suivons leur témoignage. J'ai connu le couple Nanga en 2009-2010 à Angrié, surtout, et plus précisément, cité Papaye. Ce qui m'édifie le plus aujourd'hui dans la relation, quand je vois d'où ils sont partis et vois où ils sont arrivés aujourd'hui, en tout cas, je leur tire mon chapeau. C'est-à-dire, il faut être un couple fort, solide,
pour arriver là aujourd'hui où ils sont. La réaction de ce couple face à la difficulté, là aussi, je leur tire mon chapeau. C'est-à-dire, comme on le dit chez nous, ils ont géré ça entre eux. Et puis, ils ont très bien géré même. Même leurs enfants ne savaient même pas que c'était chaud. Si je dois leur dire un mot d'encouragement, c'est l'amour. C'est grâce à l'amour qu'ils ont surmonté tout ça. Que l'amour qu'ils ont là, que Dieu multiplie même encore l'amour là encore entre eux. Je dirais à mes amis Manga et Edwige que vous êtes un couple béni et je pèse bien mes mots. Vous avez traversé des difficultés qui auraient brisé beaucoup de couples, mais vous êtes toujours ensemble. Vous avez su prendre le taureau par les cornes quand il le fallait. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous n'avez jamais essayé de vivre au-dessus de vos moyens pour ressembler en fait à vos amis ou à d'autres couples. Vous avez fait avec les moyens du bord. Vous avez toujours été solidaire et présent pour vos enfants. Et ça aussi, c'est remarquable et à le souligner. Et je me souviens quand je disais à Tate Edwige, maréchal général, que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut y croire, c'est bien beau les business qui est sur papier et tout, mais il faut juste réaliser ses rêves et puis y croire et ça va marcher. Et aujourd'hui, on voit bien le résultat du beau bébé qui est devenu aujourd'hui votre entreprise. Et Gérard, c'est pareil, je lui avais toujours dit de ne jamais abandonner, de continuer à croire en eux. Et puis voilà, ils ont bon cœur, ils ne sont pas envieux, ils travaillent et je suis très fier d'eux. Et je vous souhaite encore bon vent et ils ont réussi. Donc je ne peux qu'être admiratif et les féliciter par rapport à ça. De très beaux témoignages, on a eu le Père Noël dedans. Quand vous entendez tous ces témoignages, qu'est-ce que cela vous fait ? Ça fait plaisir de savoir que dans les moments difficiles, il y a des personnes sur qui on peut s'appuyer. Il y a des personnes qui nous aident à porter le fardeau. Et de nos jours, c'est très rare. Edwige, vous avez envie de dire quelque chose ? Oui, c'est leur dire merci du fond du cœur parce que leur soutien nous a permis de pouvoir surmonter cette épreuve. Ils sont plus que des amis, mais des frères. Nous sommes devenus une famille et vraiment que Dieu vous bénisse et que Dieu vous le rende au centuple. Merci infiniment d'avoir soutenu le couple Nanga. Nous sommes à l'heure de notre petite causerie. C'est dans Amour et Désamour. Les projets de vie d'un jeune couple peuvent-ils garantir à 100% un lendemain meilleur pour le couple ? Richement, je descends bien. Directement vers vous. Oui, la vie en elle-même n'est pas une garantie. Parce que c'est pour cela qu'on parle de planning. Il va avoir certainement une bague où la bague peut vraiment se noyer. À partir de là, cela va vous donner la force. Exige, est-ce que les projets, justement, parce que vous étiez celle-là qui planifiait tout, mais finalement, tout ce que vous avez planifié... Oui, tout à fait. Non, ça n'a pas été le cas. Tout à fait. J'abonde dans le même sens que notre psychologue parce que oui, on peut avoir des projets, mais ça ne garantit pas forcément que tout va se tracer sur une ligne droite et on va y arriver. Quand on est jeune et qu'on a une vision de venir ensemble, il faut qu'on ait des projets en commun et qu'on puisse rester focalisé sur l'objectif. Monsieur Nanga. Naturellement, les choses souvent ne se passent pas comme on a prévu. Mais à partir du moment où on a les yeux fixés sur l'objectif, ensemble, on contourne les obstacles et on se donne toutes les armes nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc les projets ne garantissent pas un lendemain. Oui. Mais même quand on planifie tout cela... Il y a des imprévus, il y a les coups de la vie qui arrivent. Donc il faut pouvoir se réadapter. Ça n'existe pas forcément le couple qui vit la lune de miel depuis le premier jour jusqu'à ses 40, 50 ans de mariage. C'est tout ça qui fait la beauté du mariage. Parce qu'on va dire que vous, en 18 ans ? Oui, 18 ans de mariage. En 18 ans de mariage, vous avez traversé aussi, vous avez vu des vertes, vous avez vu des pas mûres et vous avez vu des bien mûres et des trop mûres même, on va dire. Tout à fait. Merci infiniment. Richement, vos mots de fin ?
D'abord, je voudrais l'appeler au couple qui traverse ces moments difficiles de rester toujours solidaire. Par la prière, et puis aussi cette détermination de croire au lendemain meilleur a été vraiment un atout pour eux. Donc, à vous qui vivez ces moments, ne vous découragez pas, mais dites-vous que certainement, Dieu a un plan pour vous. Merci infiniment, Richemond. Edwige, vos mots de fin? Oui, ce que je peux dire à mes sœurs, c'est de ne pas baisser les bras. Et surtout, de prendre pour appui le Seigneur. C'est vrai, on peut avoir des personnes qui vont nous aider, chez qui on va prendre des conseils, mais le plus important, c'est de pouvoir fléchir les genoux et de pouvoir encourager son homme. Et je suis sûre que le Seigneur va entendre vos prières, comme il l'a fait pour nous, et vous faire sortir de ce que vous traversez aujourd'hui. Que Dieu vous garde. Merci, Madame Nanga. Gérard Philippe, votre mot de fin? Quelles que soient les situations difficiles, il faut toujours avoir la pensée positive. Comme on dit, l'adage dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Merci infiniment, merci pour ce beau témoignage. Nous rappelons que nous étions en compagnie de Monsieur Gérard Philippe Nanga, chef de projet, et de Douzoua Edwige Florence, épouse Nanga, qui est tricologue, c'est-à-dire experte en santé capillaire. Merci d'être resté en notre compagnie. L'histoire des Nanga nous amène à comprendre que ce qu'on ne peut pas obtenir par la bouche ou par la main, on peut l'obtenir par ses genoux, en mettant les genoux à terre. Merci d'avoir accepté de passer ces 52 minutes en notre compagnie. Si vous traversez un moment, aussi difficile soit-il, je vous invite aussi chez vous à mettre les genoux à terre et à croire. Si M. Nanga a passé 3 ans de chômage et a pu voir le jour, alors votre situation aussi pourra changer. Pour ceux qui ont envie de partager leur témoignage avec nous dans Un couple d'histoire, tout simplement allez sur la page Facebook de Première Ligne. Merci d'être resté une fois de plus en notre compagnie. Que l'amour et la foi demeurent votre partage. Bye bye! Bye-bye. Bye.